comme un homme qui se parle à lui-même. Et si nos solutions tutoyaient nos problèmes? Depuis le début, tu cherches quelque chose. Des réponses? Il y en a autant que d'êtres humains sur cette terre. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Dans cet océan de réponses, la tienne sera la bonne. Mais quelle est la question? Tu penses avoir le temps? Tu penses être propriétaire des 24 heures dont tu disposes chaque jour? Écoute, 24 heures, c'est 3 fois 8 heures. 8 heures, tu dors. 8 heures, tu bosses. 8 heures, que fais-tu? On passe 2 mois par an sur nos téléphones. On passe 7 ans de notre vie devant la télé. Eh, dis-moi, à quand remonte la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Alors non, 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 tu n'as pas le temps. Pour la simple et bonne raison que nous sommes le temps. Aussi dynamique qu'éphémère, le temps, c'est ce qu'on décide d'en faire. Car nos actes font ce que nous sommes. Peu importe qui tu es, tu as rendez-vous avec ton histoire. Et si tu veux faire de ta vie ton film préféré, il va falloir en devenir l'acteur principal. Prendre ou reprendre le contrôle. Entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas encore, l'instant prend tout son sens. Assez longue pour te rendre responsable et assez courte pour ne pas te rendre coupable. Chaque seconde compte. Comme une nouvelle chance de devenir ce que t'as toujours voulu être ou l'opportunité de recommencer. Alors souffle. Respire ce moment de liberté, car cet espace d'expression n'est pas éternel. Comme un trésor dont la quantité diminue chaque jour, il faudra investir ce temps dans des choses qui t'en font gagner. Action répétée, tel un ouvrier de l'effort. L'intelligence, c'est parfois savoir être bête au bon moment. Alors regarde dans ton miroir, un univers de solutions s'offre à toi. On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Tu as peur? Tout le monde a peur. Mais tu as moins peur d'échouer qu'envie de réussir. Alors debout, relève-toi. Peu importe ton niveau scolaire, social ou professionnel, tout le monde dispose du même capital d'heures dans une journée. Tu veux du temps? Deviens le temps et comporte-toi comme l'auraient voulu ceux qui ne sont plus. En donnant tout ce que tu peux, à tout ce qui t'entoure, en toutes circonstances. Et n'oublie pas, tes plus beaux souvenirs sont devant toi.